Hello tout le monde, c'est Ennora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! S'il te plaît, Hugo, parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on ne peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on ne trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. Ok, alors, dans ce chapitre, on devrait pouvoir quand même trouver, enfin j'espère, les derniers collectibles. À savoir, un coffre, une plume et un souvenir. Je pense pas qu'on trouve la fleur ici. Alors, il y a rien par ici. C'est ton bras? Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Oh, attention, ça va faire mal? Ça va faire mal. Sur lui. Je ferai vite. D'accord. Il n'y a rien. Ouh. Mmh.
Donc là, il y a quelque chose par là, mais il faut pouvoir atteindre. Non. Non, non, attends, il y a un coffre là. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. À moins que ce soit un petit peu plus loin l'entrée, parce que là, je vois pas. Ah, oh, bah si, elle est là, l'entrée. Ok, donc là j'ai ouvert là. Je le refais juste une dernière fois. Ok, je pense qu'il n'y a vraiment rien. Alright. Établi. Tout ce qui peut aider est bon à prendre. Ah non, c'est juste pas assez. On aura essayé. Il doit y avoir un moyen de sortir. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Alors... Bon, Hugo, je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. Bloquée. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Laisse-moi voir tes yeux. Pupille pas dilatée. Il cligne à peine. Alors là y a rien, là y a rien, là y a rien. Ok, donc là je ressors. Et là, il y a un chariot. Alors, attendons. Hugo, si tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. Ok. Attends. Est-ce que je ferai ça peut-être un peu plus tard parce qu'il y a un coffre là-bas? Un chariot plutôt à déplacer. Ah, bah il y a un trou. Quel enfer.
Je peux pas. Pitié. Pitié. Comment je vais faire? Pitié. Je peux pas. Aidez-moi. Oh, Seigneur. Voilà, donc on a obtenu le dernier souvenir qui s'appelle un gâchis et normalement vous devriez pouvoir débloquer le succès ou le trophée concernant les souvenirs. Bravo, félicitations. On va pouvoir continuer du coup notre aventure et espérer trouver le reste. Seulement le choc. C'est la macula. Alors, il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. Quand même, continuer à fouiller le reste. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non. Non. Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer. Non, assez! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia, concentre-toi! Tu dois le faire revenir. Parle-lui, empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. Oh là 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 là. Seigneur Dieu.
Genre, j'ai rien qui s'allume. Attends. J'ai pas un petit feu dans le coin? Faut vraiment que je traverse tout ça là-bas avec une seule torche? Les gars, c'est du suicide! Bon. On y va, hein? Restez près de moi. Nébula est partout. Oh là là là. Fais attention à ta torche. Oui. Hey, attention! Reste prudente. Il y en a encore. Je les vois. Attention! C'est pire que tout. Oh non! Elle sait qu'on est ici. Peu importe. Cours! Je crois que c'est lui qui fait ça. Quoi? J'ai senti son corps se contracter juste avant que tout explose. Je te l'avais dit. Son lien avec la Macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. D'accord, donc il faut pas toucher les petites taches un peu vert kaki là sur le sol. Parce que c'est de la poix et en fait ça. Ça rend la flamme un peu plus. Un peu plus forte, mais du coup ça l'éteint. Bon sang ! On doit faire plus attention. Vous voyez ? Donc là, faut pas aller là. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. C'est impossible. Mais combien il y en a à l'intérieur? Oui. Je suis là. Hé. J'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non! Je reste. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est ma maison. Arrête! Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez? Il vient avec moi! Tu les as mis en colère. Ils arrivent! Courez! Oh là là! L'enchaîne bien dur! Vite! Ils vont tout détruire! Non! Vite! Seigneur Dieu! Respire! Respire! Hugo! Hugo! Tu vois? Il y a encore de la lumière. Oui. C'est notre
c'est toi. Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. On doit encore atteindre le port. C'est vrai que le pauvre Lucas, là, il en bave aussi, hein. Chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est celle d'Hera. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Les secousses ont amené ces maudits œufs à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo ? Laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Obéissez-moi. Vous m'entendez ? Obéissez-moi ! Oula ! Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Moi non plus. Je suis désolée. On va juste regarder s'il y a quand même des trucs à prendre. On en profite. Qu'il n'y a pas de rats. Ça descend jusqu'où comme ça? On ne voit même pas le fond. Je préfère ne pas savoir. Moi non plus. Il y a des hautes herbes, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se cache. Bon sang. T'as senti ça? Cette secousse a cassé les jardins. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant? Il va causer notre perte, il a tout détruit. C'est arrivé parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. C'est pour ça que le comte veut absolument sa tête. Ah, j'espère que ça va marcher. Profanatrice? Tu as hérité d'un nouveau titre, Amicia. Le comte est toujours vivant et continue de répandre ses mensonges. Ils sont à nos trousses. Faites attention. Alors. Il faut se rendre vers où déjà ? Alors, on va essayer d'aller dans les herbes hautes là-bas. Là, apparemment, on peut grimper là. Tuer que d'affronter leur propre mort. Rien de nouveau.
ils sont deux. Il y en a un là. Un là. Je vais juste attendre qu'en fait il passe. Bon, en fait, je sais pas trop où je dois me rendre, hein. Attends, voir où est-ce que je reviens en arrière. Ouais, je vais revenir en arrière parce que par en haut, j'y arriverai pas. Ouais, on va passer par là. Là-bas. Je crois que c'est l'entrée du village. Non, c'est bon. Vous m'avez pas vu. Je perds mon temps. Est-ce qu'il faut que je monte, du coup? Attends. T'as déjà regardé là? Pas encore. Je sais où vous êtes maintenant. Reste hors de vue. Hors de vue, hors de vue, hors de vue. Je suis hors de vue. On a de la compagnie. Criez, non, c'est pas vrai. Non, c'est bon. Attends, comment je fais pour détacher ce chariot, moi? Ah, attends. C'est bien. C'est bien. Allons-y, vite. Ah.
Attends, on se cache avant. Inutile de vous cacher. Je vous suis prêt. Non, attends. Attends, il y en a un qui nous a repéré. Ok. Je vois un bateau là-bas. Oui. Oh, pitié, sois en vie. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une potence sur la place du port pour Arnaud. Ils pendent la muraille? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi. Il est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligé d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. On récupère Arnaud et on se tire de là. Alors. Attention en descendant. D'accord. Fanatrice. Est-ce que... Je me rappelle plus le pouvoir de Lucas. Ah oui, stupéfaction. Ah bon. Bah moi je suis obligée de... Sur lui quoi. Je savais que tous ces rats c'était pas normal. Ah, c'était pas le bon, pardon. Oh, désolé. D'ailleurs, par rapport à ça, au niveau des compétences, on n'est pas loin de la prudence. Blague. Jamais je n'aurais pensé que les rats pourraient être si puissants. Espérons qu'ils resteront ici une fois qu'on sera plus tard. Hop.
Ah, il est en bas, il me voit. C'est soit je descends par là, soit je descends l'escalier. Hugo, reste avec nous s'il te plaît. Je suis là. Alors, continue. Je t'en supplie. Attends qu'ils partent. Couteau. Hey, t'as entendu Pomelo ? L'esclavagiste ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est mort. Sa planque, ses hommes, les esclaves, disparus. Ils disent que tout ce foutoir a commencé là-bas. J'aimais pas ce type, mais cette fille est une vraie furie. Ouais, quand même. Hein. Y'a personne! Y'a personne! Merde, c'est quoi ça? Oh non! Ouh! Voilà, ici. Pourtant, je suis visible, hein? Oh, c'est pas vrai! C'est quoi cette IA là? Ouais, mais c'est tranquille! Moi j'ai pas fait tous les bâtiments, ça m'embête parce que ça se trouve il y a une plume dans le coin ou un coffre ou je sais pas quoi. Mais cette fille est une vraie furie. Ouais.
J'arrive même pas à savoir si je peux aller là-bas, si... C'est pas là la sortie? Oh, c'est pas vrai, c'est pas là la sortie. Alors, il y en a un qui rentre dans l'église. Alors... Par contre, il faut aller où? J'imagine par la porte là-bas. Hein. J'imagine par la porte là-bas. Oula. Non, y a personne. Y a personne, y a personne, y a personne. Juste caché là. Bah alors. Moi, en tout cas, j'ai obtenu maintenant le succès en lien avec la capacité de prudence. Ce qui fait que je vais pouvoir m'éclater à les dégommer. Alors après, honnêtement, de vous à moi, je sais pas où je vais. Hein. Que là je redescends, on est d'accord. En plus je peux même pas aller plus loin là. Il a tenu. Oui. Maintenant où est Arnaud?
Oh, je suis sûre de pas avoir tout exploré, c'est ça qui m'énerve. Il faut aller plus vite. Ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on peut. S'ils le tuent, moi je les tuerai tous. Tu n'auras pas besoin. Nous allons le sortir de là. Et Sophia aussi. Alors, attends, voir. Hop. Bien. Je crois pas avoir ramassé suffisamment de... Voilà. Ballot. Alors, est-ce que par le plus grand des hasards, si je monte par là, ça jouerait? On monte. Oui. Descends prudemment. Tout de suite. Ah. Bon. Ouais, un deuxième couteau, si jamais... Non, n'aviez pas. Donc là, y a rien. Regarde juste par là. Ok, y a rien. Regardez là. Ok. Ah, non. C'est pour aller là-bas. Celui qu'on appelle la muraille. Oui, et on doit le sauver. Même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. D'abord. Alors, est-ce que... Ah non, attends, il y a un trou par là. Oh non. Attends. Tiens. On va essayer d'aller là-bas d'abord. Non. Pousse-toi. Pousse le truc. Parce que là-bas, je crois que c'est la Allez. Définitive. Je jure, regardez ce qu'il y a là. Avant d'aller plus loin. Hein ? Ah ! Coffre secret ! Voyons ce qu'il contient. Et donc là,
Vous devriez avoir obtenu votre succès en lien avec tous les coffres secrets découverts. On est content, on est content. Ah, et là il y a quoi? Une plume. Hugo, regarde. Je sais pas de quel oiseau elle vient, mais tu la veux? Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Tiens, prends-la. D'accord. Tout va bien se passer. Ça ira mieux. Bientôt. Et donc là, vous avez également réussi à obtenir tous les succès en lien avec le ramassage, entre guillemets, des plumes. Donc, moralité de l'histoire, il nous reste plus qu'une petite fleur à trouver. Et niveau collectible, on sera bien. Alors, parce que je suis toujours nulle en conduite de chariot. Non, attends. Non, c'est là qu'il faut aller. Reviens en arrière. Allez, allez. Monte. On monte. Oui. Alors, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Donc, c'est par là. Alors, ton nouveau collier te plaît, Arnaud? Alors, c'est ça la muraille? Ha! On dirait plutôt un gros tas de merde maintenant. Tout est en train de s'effondrer. Au diable, oui. C'est vrai. Ce salopard a massacré mes camarades. Rapproche-toi moi-même. Ils sont vraiment très nombreux. Oui. Tenez-vous prêts. Il y a des jarres de bois juste à côté d'eux. Maintenant, Amicia, fais quelque chose. Je m'en occupe. Tu vas pas mourir ? Mais il est pas mort, lui ? Comment? À ton tour. Je peux même pas le poignarder. Bah non, je peux rien faire. Tu veux que je le tue avec quoi? Il me fait rigoler là. Voilà, faut que je foute le feu.
Ah, j'ai même plus de... une flèche. Que je tue avec quoi? C'est ça que je sais pas. Parce que son armure, elle est invincible. Ouais, tu vois. Mais arrête de le tuer. Sensible, le gars. Bah, à part lui balancer des flèches, tu veux que je fasse quoi? À part lui foutre le feu, peut-être. Ah, je peux peut-être essayer de lui foutre le feu. Mais ça sert à rien, tu vois bien. Oh là là. Super. Mais je peux rien faire. Oh. Mais j'ai plus rien, moi. Je vois pas avec quoi je peux le tuer. C'est ça le truc. Vous me faites rigoler là. Arrête de le zibouiller. Je sais pas comment le tuer. Attention. Et alors quoi? Tu m'énerves. Ah, c'est devant. Ok. J'ai compris. Vas-y, aveugle-le. Aveugle-le! Le truc, il est devant! Encore d'autres! Tu l'es pour moi! Pardon, mais j'ai plus de flèches! Oh, j'ai perdu trop de flèches, moi, dans l'histoire! Oh merde! J'ai plus de flèches! Non, j'ai plus de flèches! Merde, j'ai plus de flèches. Mais je crois que je vais me laisser mourir là, j'ai plus de flèches les gars. J'en ai trop dépensé. Bah ouais, mais attends. Va te faire voir. Non. Ah. Ok. Ah oh là là. J'ai dépensé trop de flèches. Je vais finir par me mettre en mode invincible, hein, parce que c'est pas possible. Tiens bon, Amicia, tu vas y arriver. Oui. Ils ont des renforts. Ah.
de flash. Oulala. Vas-y, mec. Vas-y. Oh, allez, file-moi un coup de main, Lucas, là. Ça marche pas. Il est où? Je peux récupérer ma flèche sur cet enfoiré là ? Ah non, je peux pas. Putain, j'ai plus de flèches. Ah si. Je peux pas intervenir. C'est pas vrai. Oh Seigneur. Bon sang.
c'est terminé maintenant. On y est arrivé, Hugo. Oui. Respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui. S'il vous plaît. Attends, je vais juste voir si j'ai une flèche avant. Je vais récupérer des flèches. On sait jamais. Je vais partir sans. Attends, mec, je fais mon petit marché. Ça, ça aurait été laborieux, hein. Mais genre, vraiment, quoi. Oh, Seigneur. Voilà, je récupère au moins deux flèches. Hugo dit que c'est à lui. Sophia ! Vous en avez mis du temps. Tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Viendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal. Eh bien, voilà, fin de ce 13e chapitre. On va bientôt attaquer, du coup, les 4 restants. Rapide calcul dans ma tête. Et à travers ce 13e chapitre, on a quand même réussi à terminer les succès en lien avec les plumes, les coffres secrets et les souvenirs. Du coup, moi, j'ai pu encore débloquer la capacité de prudence. Encore une fois, ça dépend totalement de votre gameplay. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment faire, parce qu'il y a 2-3 petits trucs et astuces pour débloquer ces 3 succès en lien avec les capacités. Et puis, il nous reste du coup plus qu'une fleur à trouver. Alors, j'imagine que cette dernière fleur, on la trouvera dans le dernier chapitre un peu pour clore la chose, c'est-à-dire qu'on a trouvé une fleur au premier et j'imagine qu'on trouvera une fleur au dernier. Mais bon, je ne mettrai pas ma main à couper. En tout cas, merci d'avoir été présent pour regarder cette vidéo. Moi, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch et sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite des aventures. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.